Eh bien, bonjour, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire ce petit quatrième épisode de notre ami Super Crapaud dans ses nouvelles aventures en vidéo. Simplement. Parce que c'est plus facile pour moi, les amis. Alors, on a agrandi notre base, hein, mais ça, je vous l'ai montré en live. Hein. Je sais pas qu'il y avait un trou. Bon. Ah, bref. On avait agrandi la base. On a. Ah, si, ce que je voulais pas montrer, c'est que j'ai fait les branchements et que tout passe sous terre. Hein. Même plat. Hein. Comme de là-haut, hein, quoi. Voilà. Comme ça, vous voyez. Le mieux, ça aurait été de tout faire partir de la batterie, mais bon. Ça revient au même. Hein. Là, si, on a fait le coffre. Alors, ce qu'on va faire, c'est voir si on a. Le cycle de l'ordinateur de base. Ah, il veut que j'installe un champ de force. Voilà. Franchement, c'est bien pour le. Il va me manquer une batterie à ion. Je suis déjà content d'avoir le câblage. Alors, une batterie à ion. Est-ce qu'il y a moyen que j'en fasse une autre? Non. Il fallait s'en douter. Ah, il faut du 10 cobalt. Aïe. Alors là, les amis, pour du cobalt, il faut trouver une grotte. Hein. Vous allez voir qu'on n'aura pas de bol. Comme là, on est dans la pampa. Ah, ça va. Bon, j'ai rien dit. Ah, c'est pas une grotte. Ça peut en devenir une. Non? Non, il veut pas me donner une grotte. Non, c'est pas une grotte. Tant pis. Regarde avec le. Et je vois rien de ce qui m'intéresse. Ah, du cobalt. Cobalt, c'est que dans les grottes, les amis. Pour s'occuper de ça. Pour chercher une bonne grotte, il faudra presque le vaisseau, quoi. Ça ira plus vite, quoi. Chercher ça
Et vous avez remarqué que dès que vous avez une machine endommagée, regardez, toujours vous avez un truc au sol, un module technologique pas loin. C'est pour donner un petit repère, les amis. Ça, je crois pas. Oh, dynamite, c'est bon. Ah, peut-être là, après des sacs bourdonnants, on risque de trouver une grotte. Ça peut être l'entrée d'une grotte. Voilà. Donc, on arrive au-dessus des sacs bourdonnants. Vous êtes d'accord, hein, les amis? Vous avez vu comment il faut faire? Maintenant, faut juste trouver des... Ah, il y en a là. C'est bon. Cobalt, ça. On va reprendre un peu beaucoup là. Excusez-moi. Voilà, pas mal. Alors, on va tout de suite te faire une pile en plus. Voilà. Et on va s'installer dans le multi-outil, ce qui nous manque. Voilà. Et voilà. Alors, comme ça nous active la quête. Hein. Sinon, on pouvait toujours attendre que les 1h29 passent. Hein. Alors, est-ce que j'ai de la place? Non. Alors, les sacs bourdonnants, je les laisse là. Hein. Pourquoi votre... Ah, je suis vide. Voilà. Retourne à notre base et après, ah bah il a une grotte là. Je l'avais pas vu. Vous allez voir que maintenant, avant on n'en trouvait pas une seule, maintenant on va avoir plein. Encore une là, voilà, bien sûr. Ce jeu nous troll. Alors, ce que notre base a besoin, c'est qu'on aille embaucher un constructeur. Et pour cela, il nous est demandé, ben, c'est très simple hein, à le voir, on va dans l'agrandissement de la base, voilà, recruter un superviseur pour votre base. Alors, normalement je peux aller en vaisseau, mais là-haut, mais pourquoi j'irai en vaisseau les amis? Si normalement, je peux prendre mon téléporteur pour y aller. Oui. Voilà. Alors c'est là où on est, hein. Et là aussi, hein, c'est la base à la station. Alors on va à la station.
Et normalement, il est en face. Hein. Vous voyez comme moi. Le point. L'icône de... Du superviseur. Hein. Ils me disent qu'il est dans cette pièce. Hein. Et qu'il est là. Hébergie, il s'appelle. Herbergie, pardon. Associé. Ça va longtemps, pardonne-moi. Ça fait si longtemps que je le cherche. On m'a engagé pour t'aider pendant ce cycle et tous les autres. Ne t'en fais pas, tout a été payé il y a longtemps. Tout se déroule selon les règles. Dès que l'étranger parle, je suis assailli par une odeur, les phéromones infestent mon esprit et créent des souvenirs de lieux que je n'ai jamais visités, de choses que je n'ai jamais faites, des souvenirs de mon reflet dans un miroir. Agir et seul, des souvenirs dans un miroir, agir et seul. De ce geek tenant ses frères tombés dans un accord passé, il y a des années de cela, un contrat signé à travers le cosmos. La vision prend fin, reste le superviseur. Le superviseur me pointe d'agrandir ma base, me permettant de recruter d'autres travailleurs. Il a besoin d'un terminal de constructeur pour commencer. On va l'embaucher parce qu'on l'a fait, hein, le terminal. Voilà. Vu qu'il y a quelque chose de fascinant, il devrait se sentir à l'aise chez moi. Sur la station... En un clin d'œil, qui est déjà à la station sera ma base, dans un clin d'œil. Les traductions dans No Man's Sky, c'est pas toujours le top, hein. Voilà. Et nous, on doit retourner ici à la base. Bah alors, c'est ce qu'on va faire, les amis. On va retirer qui traîne, là. Sur les tables, par exemple. Voilà. Ça. Quelques nanites, ça. On en a combien, en fait? 1000, on va. C'est déjà bien. Et 9 millions. Bon, on n'est pas pauvres. Voilà, ça je vais pas le prendre, il est plus moche que le mien. Et là on prend rien non plus. Allez. Alors on va se re-téléporter. Ah, je peux pas de nouveau abuser là? Non? Ah non, il veut pas que j'abuse. Alors on va se re-téléporter directement. Un truc que je voulais voir, j'en ai 8. Je peux vous montrer ça aussi, en attendant. On va voir le cartographe de la base, du système, la station spatiale, pardon. Et on va les échanger. Et on va prendre... j'en ai 7. Ça c'est quoi? Allez, on va prendre ça. Je vais prendre des 7 comme ça. Regardez, hein, si je vais en prendre 8, ça va être... Ça marche. Bizarre. Ah, j'en ai 7. J'en ai 8. Enfin bref, hop, on prend ça. Normalement. Ah, j'en ai déjà en plus. Ah, okay. Ah, ça stack par plus qu'avant. Moi j'ai l'impression. Bon, enfin bref, voilà. C'est chez lui qu'on va pour les cartes stellaires. Mais là j'en ai mais que des pour trouver des épaves. Hein. 11. Hein. Ouais, c'est que pour les épaves là. Ça peut être utile, quand même. Alors, base départ, c'est notre seule base hein, pour l'instant. On retourne dans ce système.
Et voilà, on est retour à la base. Et on doit aller voir notre... superviseur qui est arrivé à sa place. Alors, tu attends à prendre, tant à voir. Et ce lieu sera notre foyer au cœur de l'infini. Peut-être pas toujours, monsieur Herbergui. Herbergui. Associé. Prends ce verre et laisse rentrer la lumière. Nous inonder notre charmante maison. Et hop. Ça, c'est toujours le premier craft qu'il va vous donner. Mais bon, c'est un peu pété aujourd'hui dans No Man's Sky parce que le verre, on peut en faire autrement. Hein. Je vous montrerai par la suite. Alors, à terme, tout s'écoule par le verre. Mais il n'y a pas assez de temps pour ça. Nous avons d'autres choses à faire. Si tu prépares de méthode chromatique, je m'en servirai pour calibrer un terminal scientifique adapté à une entité Corvax. Après, il raconte l'histoire des Corvax et on a énormément souffert à cause de mon peuple. Sois bon avec eux, je t'en prie. Alors. Demande de récupérer du métal chromatique. On va accepter. Peut-être on en a déjà assez. On va tout de suite le voir. On est pas assez. Ah si, j'en ai assez. Ah oui. Les 300 et quelques. Et voilà, hop. On doit retourner vers le... Vous avez vu, hein, l'icône, elle se me tue. Hein. Voilà, je suis sûr que cette fois-ci, tu as les matériaux nécessaires. Le superviseur... Alors, on va lui donner notre métal. Parfait mon ami, voilà. Et on peut se crafter avec la ferrite magnétisée, on va pouvoir se crafter un terminal scientifique. Voilà, il va nous parler encore. À cause de notre habilité, voyageur l'univers est jonché de détritus. Cette planète ne fait pas exception. Mais on peut faire beaucoup de choses avec les détritus. Rends-toi dans une structure abonnée et récupère les données des terminaux que je utiliserai pour pour les plans d'un conteneur de rangement, ok. Voilà, pour l'instant on n'avait que le zéro, on pouvait faire que le zéro et là je pense qu'on va pouvoir faire le reste. On va accepter. On va aller chercher. On le vaisseau. Alors, faites bien attention d'avoir la bonne mission en quête en cours hein, parce que sinon là voilà. Sinon je pouvais toujours attendre les coordonnées de la maison du bâtiment abandonné hein. J'arrive pas à atterrir. Ah, ça y est. Alors ça, on va pas le laisser. Hein. Métal rouillé, je prends. Une batterie de... Bon alors, elle a pas, hein, elle passe à classe pas pour l'instant. Ça viendra. Et le reste... attention parce qu'on n'a pas masse. Voilà, on n'a pas de la masse place, il venait de le dire. Ah
Ah, c'est parce que j'aurais dû dépenser tout ça là. Ce que je vais faire, je vais. Non, ça je laisse là. Ça. On va remplir un peu là. La rouille, hop. On s'en débarrasse tout de suite. Pendant qu'on marche. Pour avoir une place. Bon, de toute façon, on est venu chercher là. Dans ce bâtiment. Voilà, du sodium, ça c'est bon. Peu de sous. Unité. Projectile, là, ça on prend, les amis. Enfin, on prend tout. Et on va dans le terminal inutilisé. Ça, je le prends pas non plus. Hop, et voilà. Utilisateur identifié, terminal activé, accès au schéma. L'endroit où m'a amené le superviseur est tombé dans l'oubli depuis bien longtemps. Ces panneaux sont recouverts de la même faune huileuse et palpitante que j'ai déjà vue dans des bâtiments abandonnés. Hier, il fait il est humide. J'allume le terminal sans trop y croire, mais à ma surprise, il bourdonne bruyamment et revient à la vie. Et on va animer les schémas. L'intuition de mon superviseur m'a bien servi jusqu'à maintenant. Je vais devoir croire que les schémas contiennent les données nécessaires. Voilà. Donc là, il faut qu'on retourne à la base. Tourner auprès du superviseur. Mais là, on les a déjà pris. Vous avez vu? Près des bâtiments, il y a toujours des ordres des grottes. Regardez bien. Bâtiment abandonné ou pas? Allez, la base est là-bas. Le vaisseau là. Voilà, on est tout prêt en plus, c'est cool ça. Alors, notre superviseur, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je vais d'abord. Qu'il m'en fallait. Technologie, non, structure non plus. Spécialiste. Spécialiste. Voilà, normalement je peux le mettre là. Quand j'aurai le matos, ouais. Alors il m'en manque pas grand chose, il me manque 15 ferrites magnétisées. Hein. On va faire ça vite fait. Ah, mais je fais à chaque fois la même connerie. Hein. Bon, je vais mettre ça dedans. Ça va vite, 13 secondes. Hein. Pour faire de la pure. Voilà. On va s'arrêter à 15. Hop, 16, ça ira aussi. Et voilà. Et maintenant, on peut le construire. On va le mettre là. Hop. Et maintenant, on reparle au superviseur. Tu es revenu, je suis si content, mon ami. J'ai extrait le plan de rangement dès que j'aurai accès aux données. Ah bah on va lui remettre. Voilà, on va lui remettre les données. Voici le plan, comme promis, une tâche triviale. Leur code était là, prêt à manipuler. Vous avez vu? Maintenant, on en a reçu les 9 autres en fait. Hein. Seulement, il nous faut de nouveau de la ferrite magnétisée. Bon. Bon, bien.
Pense-tu, mon ami, que nous devons mettre en marche ce terminal scientifique, remplir notre maison des clics et des lumières des Corvax. Ce serait si charmant. Bah, pourquoi pas? Alors, on va accepter. Alors, il va nous envoyer, je pense, dans un. Ah, je vais me débarrasser d'abord des. Voilà, technologie de construction. J'en ai quatre. Mais pour que ce soit plus agréable, les amis, on va se prendre. Un truc avec la fenêtre. Et puis c'est deux, il me reste trois. La porte à queue à la fenêtre aussi. Pour le moment. De toute façon, comme on est en train de construire, et comme les plans pour les bâtiments comme ça, c'est au Nexus, c'est dans l'anomalie. Pour l'instant, voilà. Ce sera pour changer cette porte-là et puis faire un peu de fenêtre là, autour, là, les amis. Alors, vous voyez, hein, un plat qui disait sur le Discord, moi, ma base, il y a de la terre dedans, il y a tout ce que vous voulez, ben regardez-moi, il n'y a rien. Et là, c'est pareil, t'es tout au sol, hein. Tout est au sol, là. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et puis, les amis, s'il y a quelque chose, aujourd'hui, dans Namaskar, ils pouvaient tout virer. Hein. C'est plus comme avant. Hein. Alors. Recruter un scientifique pour votre base. Voilà. Recrue hors de la zone locale. Consulter la carte galactique. Voilà. Donc il faut qu'on se taille d'ici. Et là, le vaisseau. Regarde, ça va, on a du carburant. Alors on est parti. On va aller recruter notre scientifique. Parfois. Alors là c'est pareil, hein. Regardez bien. Vous la voyez l'icône quand même. Bleu. Qui m'a dit que ça venait chez les Corvax déjà pour le scientifique. Voilà. Et ça me le dit même en dessous maintenant. Hein. Ça n'existait pas, mais maintenant oui. Hein. Signal de mission détecté, scientifique possible recrue. Donc, on y va. Aller à la station. Alors la station elle doit être par là. Par là.
Voilà. On va recruter le scientifique tout de suite. On ne doit pas être loin. Il est là. On l'avait vu, il est là. Salut. Forme de vie inconnue. J'ai réussi mon test. Je suis libre d'explorer, libre de poursuivre ma passion pour l'analyse structurelle. Possède-tu une base à terminer scientifique? Imagine tout ce qu'on pourrait faire. Le camarade qui est heureux, même ravi même, de me voir. Il vient de réussir une sorte de rite de passage propre à son espèce, pour lequel il devait explorer l'univers et s'abandonner à ses passe-temps. Le scientifique me propose de rejoindre ma base. Si je lui fournis un terminal scientifique, eh ben, on en a fait un juste avant de partir. Et voilà. Oublie rémunération, scanner pendant ton sommeil sera récompense suffisante. Mais bien sûr. C'est cela, oui, c'est cela même. Allez, vous avez des entrées partout, hein, les amis. Allez vérifier dedans. Hein. Des fois, bon, là, il n'y a rien, hein, pas de bol, mais. Je vais quand même aller voir en face. Voilà, on n'est encore pas venu ici. Hein. Combien que ça coûte hein? Ah, 500 000 déjà. On va déjà s'améliorer notre égo combinaison, hein, tout simple. 30 000. Je regarde toujours là. Moche. Et là, en scanner, il n'y a rien. Parce que scanner. Avec une amélioration S, ça nous intéresse aussi. Hein. Ah, il n'y a que du A. Ah. Je vais le prendre. Les amis, ça peut faire du pognon. Pour l'instant, on va le mettre là. Ah. Récompense de l'analyse de la faune. Combien? Plus 5,092%. Ah, c'est déjà bien. Allez, on va le laisser à sa place. Hein. Moi, je l'aurais pas mis comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ah, si, on regarde un peu partout s'il n'y en a pas des nanites. Et on retourne à notre base. En se téléportant, bien sûr. Et tout est indiqué, hein, les amis. Comme d'habitude. Hein, retourner auprès de votre scientifique, regardez, on va le remettre. S'il veut bien, il va me troller. Enfin, c'est marqué retourner auprès du scientifique avec le téléporteur. Hein. Voilà. Et alors là, vous voyez maintenant, hein,
Il y avait le superviseur et il y a le scientifique maintenant. Voilà. Le scientifique, hein, c'est marqué. Et voilà, retour à la base. Donc on voit bien notre scientifique ici, maintenant. Qui nous demande de lui parler. On va lui parler. Bien belle base, voyageur. Qui sied tout à fait à ton honorable statut, au Corvax. Sera si heureux ici. Le Corvax déborde d'enthousiasme. Ni son enveloppe, ni les murs de ma base ne semble pouvoir le contenir. On va lui demander de l'aide. Honneur, voir le monolithe du voyageur. Honneur, mais s'il te plaît, Corvax, participe, prends ses plans. Du lubrifiant et de l'acide. L'acide, c'est cool, hein, mais bon. Parce que l'acide. Et l'odeur lubrifiant aussi. Ça se vend bien, hein, ça c'est les premiers crafts qu'on peut faire. Hein. Et voilà, on aura le raffineur avancé, c'est ça qui nous intéresse, ça, les amis. Mais pour ça, il faut aller lui chercher les bulbes de lumière cavernicole et du cobalt. Le cobalt, on l'a déjà. Alors, ah, voilà, maintenant vous avez vu, normalement, il voudrait que je retourne à la quête histoire avec Artemis. Mais on va pas le faire tout de suite. On va d'abord finir un peu avec le superviseur. Hein. Voilà, on va se charger un peu. Là, faites attention parce que là, vous avez vu, j'ai de nouveau pu. De toute façon, j'ai pas le matos ça pour l'instant. Vous allez voir que je vais plus trouver de grotte. Hein. Alors que tout à l'heure, quand on est revenu, on en a trouvé masse. Hein. Failli tomber, je sais pas combien de fois dedans. Il est profond celui-là.
fois, elle aurait pu sortir. Alors. Bon. J'ai cru que c'était une grotte, hein, mais. Mais non. Voilà, des nanites, hein. Toujours besoin. C'est bien. Des racines pulpeuses. Stabilisation du niveau de température. C'est quand même une petite grotte, ça, mais. Ça suffira pas pour ce qu'on veut. Hein. Alors, ce que je vois, j'en vois que. Je vois quand même un peu là. Oh non, c'est du. C'est trompeur. De cobalt, hein. Un peu aussi. Ils sont pas venus pour rien. Hein. Voilà, on peut retourner. Je m'attendais à plus loin que ça. Hein. Alors moi, si c'est un conseil que je vous donne, c'est continuer la quête. Voilà, après, vous allez quand même continuer Artemis et compagnie. Hein. Et voilà, en fait, et au bout d'un moment, je vais tout faire en même temps, en fait. Comme ça, on n'en oublie pas d'en faire. Vous allez voir, hein, on va aller jusque-là hein, dans cette série. Plus là, il est sec de partout là. Pardon. Et voilà. Donc on va donner notre loot. Toujours avec l'icône, hein, il y a sur l'icône au-dessus de la tête. Hein. Voilà, il nous a préparé les plans. Et on donne le cobalt. Et là, on a la grande raffinerie. Hein. Ça, c'est le top. Hein. On pourra la faire, mais bon, peut-être pas tout de suite. Hein.
Et on a le plan du microprocesseur aussi d'enregistrer. Alors, je dois me reconnecter, bien sûr, dans cette tour de transmission entre mon âme et découvre ce qui cloche. Sauve Corvax de la solitude, s'il te plaît. On va lui retirer le noyau, puis on va s'arrêter là, les amis. Ça fera une petite vidéo de 50 minutes presque. Mais il y aura une petite surprise parce que je vais vous diffuser la vidéo. Et on va reprendre en live directement dessus. Parce que je préfère les lives quand même. Hein. Alors, bien sûr, on fait toujours notre petite sauvegarde. Au prochain coup, on en rangera un peu là. Peut-être que j'aurai changé la porte. Je ne sais pas. On verra bien. Alors là, sur ce, les amis. Très bonne journée à tous.